Bonjour les loulous, j'espère que vous êtes prêts pour tes petits jeux de mathématiques. Donc on va travailler sur les chiffres et les nombres, mais aussi sur le vocabulaire de positionnement. Vous vous souvenez, en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc on commence juste par de la reconnaissance de nombres. On me dit vite. 13, très bien. 6. Super. 15. 19. 11. Super. Alors attention, je mets 5 petites cerises dans ma boîte. J'en rajoute une. Encore une. Et encore une. Combien j'en ai? Donc on a le droit de prendre dans l'autre sens et de. On sait qu'il y en a 5 d'un côté. On en a rajouté une, encore une et encore une. Donc ça fait 3. Donc maintenant on fait 5 plus 3, ça fait combien? 5 plus 3, ça fait 8. On vérifie. Donc là on en a bien 5, 6. 7, 8. Attention, j'en mets 2. J'en mets une. J'en mets encore une. Et je mets 5. Combien j'en ai? Donc, on sait qu'on en a 5 à la fin. On en a 2. On en rajoute une. 2 plus 1, ça fait 3. On rajoute encore une. 4. Donc, on a 4. Et on a 5. Donc, on en a 9. On vérifie. Alors, 5, 6, 7, 8, 9. Très bien. Alors, attention, ça va être un peu plus dur. 2. On rajoute une. On en rajoute une. On en rajoute une. On en rajoute une. Combien ça fait? Alors, je recommence. J'en ai mis 2. Et attention, il faut compter là. 2. Attention. On en rajoute une. On en rajoute une. On en rajoute une. On en rajoute une. Combien ça fait? Alors, combien de fois j'ai rajouté une cerise? Je l'ai fait 4 fois. Donc, une, encore une, encore une et encore une. Donc, ça fait 4. Et comme j'avais 2, 4 plus 2, ça fait 6. Alors, on recompte. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va faire l'inverse. Je vais mettre des petits cubes dans ma boîte. Et je vais en retirer. Vous allez devoir soustraire, en enlever en calcul mental et me dire combien ça fait. Alors attention, j'en mets 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 dans ma boîte, j'en retire 2. Combien j'en ai? 1 et 2. Combien il me reste dans ma boîte? J'en avais 6 et j'en retire 2. Combien il m'en reste? Donc 6 moins 2, ça fait 4. On vérifie. 1, 2, 3, 4. Bravo. Alors, j'en mets 10 cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, j'en retire 3. 1, 2 et 3. J'en retire 3. Combien il m'en reste dans la boîte? Donc j'ai 10 et j'en retire 3. Alors vous pouvez essayer de voir avec vos doigts combien ça fait. Eh bien, on sait que 3,
c'est le complément à 7 de 10. Donc, si on a 10 et qu'on retire 3, eh bien, ça va faire 7. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo! Alors, attention, un peu plus dur. J'en mets 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en retire 3. Combien ça fait? J'en retire 3. Combien il me reste? Alors, on sait que 12, c'est une dizaine et deux unités. Si j'en retire 3, attention, j'en retire 2 et je vais être obligée de casser cette dizaine pour en retirer une. Si j'ai 10 là et que j'en retire une, il m'en reste 9. Donc, on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien, gagné. Alors, maintenant, on va revoir le vocabulaire. En haut, en bas, à droite, à gauche. Donc, bien sûr, pour vous, c'est dans l'autre sens. Je me mets dans la même position que vous. Droite, c'est ici. Gauche, c'est là, en haut et en bas. Alors, je vous montre des petites images. Et vous allez me dire, où est la grenouille verte? Je veux la grenouille verte. Alors, déjà, est-ce qu'elle est en haut? Elle est en bas? Alors, la grenouille verte, vous êtes d'accord qu'elle est en haut. Et alors, si vous coupez votre feuille en deux, de ce côté-là de la feuille, pour vous, c'est quoi? De ce côté-là de la feuille, pour vous, c'est quoi? Donc, les droitiers, vous prenez votre main droite et vous essayez de décrire. Donc, si je me mets dans la même position que vous, à droite, c'est ici. Bien sûr, les gauchers, vous faites l'inverse. C'est votre main avec laquelle vous écrivez, c'est à gauche. Donc, ici, c'est bien le côté droit. Donc, on peut dire que la grenouille est en haut à droite. Attention! Où est l'ours? Alors, je répète, là c'est mouton, poisson, oiseau, ours. Alors, l'ours, il est où? Déjà, il est en bas de la feuille. En bas de la feuille. Et alors, si vous coupez la feuille en deux, là, vous êtes d'accord que là, de ce côté-là, c'est du côté droit, c'est du côté de laquelle vous écrivez. Et ici, c'est le côté gauche. Donc, l'ours est en bas à droite. Où est le chat? Donc, le chat, il est en bas et il est aussi à droite. Maintenant, je demande où est le poisson? Le poisson est en haut, à gauche. Ok, alors attention, je pense à un animal et vous allez devoir me dire quel est l'animal auquel j'ai pensé. Alors, attention, mon animal est en haut à droite. L'animal auquel je pense est en haut à droite. Donc, en haut, c'est forcément le mouton et le poisson. Maintenant, il faut trouver à droite. Alors, à droite, c'est ici pour vous. Donc, l'animal auquel je pensais était le poisson. Allez, on le refait. Attention, l'animal auquel je pense est en bas à gauche. Alors, en bas, c'est forcément soit le chat, soit le cheval. Maintenant, à gauche. À gauche, c'est ici. Donc, je pense bien au cheval.